Moi, je travaille dans l'équipe politique de WWF Belgique, je suis leur experte forêt, et donc je travaille sur le plaidoyer politique ici en Belgique par rapport à l'impact de la consommation belge sur les forêts en dehors de nos frontières, donc notamment sur les forêts tropicales. Les politiques sur lesquelles je travaille viennent du niveau européen, d'où le titre de ma présentation, l'impact des politiques européennes sur la déforestation tropicale. Donc je vais faire le bilan de où on en est aujourd'hui et quelles sont selon nous les réformes nécessaires pour apporter des solutions par rapport à justement notre empreinte, notre co-responsabilité ici en Europe par rapport à la déforestation dans les tropiques. Donc pour commencer, voilà, mettre là que la déforestation est à l'agenda politique, a été à l'agenda politique depuis déjà beaucoup d'années. Dans toutes les grandes conventions, on va retrouver notamment la convention sur le climat, la convention sur la biodiversité, les objectifs de développement durable, d'autres déclarations plus spécifiques sur les forêts. Tout le monde se met d'accord qu'il faut arrêter la déforestation. Les pays européens, dont la Belgique, ont signé plusieurs fois qu'ils s'engagent à stopper la déforestation liées aux chaînes d'approvisionnement de produits agricoles d'ici 2020. D'autre part, sous la pression souvent de campagnes d'ONG, les acteurs du secteur privé ont pris des engagements pour écarter la déforestation de leurs chaînes d'approvisionnement. Par contre, ces engagements volontaires au niveau du secteur privé restent insuffisants, car d'un côté, vous voyez qu'ils sont loin de recouvrir tous les secteurs, et notamment en certains secteurs comme le soja et l'élevage bovin qui ont un très gros impact sur la déforestation, mais où seulement une petite proportion des entreprises ont pris des engagements. Et d'autre part, même au sein des entreprises qui ont pris des engagements pour écarter la déforestation de leur chaîne d'approvisionnement d'ici l'année prochaine, elles ont déjà annoncé cette année qu'elles ne seront pas en mesure de vraiment garantir que leurs produits ne sont pas liés à la déforestation. Les entreprises ont fait des efforts, ça avance dans le secteur. Certaines grandes entreprises travaillent sur la transparence, travaillent sur la traçabilité. Mais voilà, le problème est de tellement grande ampleur qu'ils n'arriveront pas à respecter leurs engagements. Donc clairement, il y a un écart entre ces engagements qui ont été pris au niveau politique et au niveau du secteur privé. Et on continue ici en Europe à alimenter par notre demande, par notre consommation, alimenter la déforestation et les émissions qui y sont associées. La Commission européenne a commissionné une étude par rapport, pour quantifier l'empreinte déforestation de la consommation européenne. Ils sont venus à la conclusion que les pays européens consomment 10% des produits liés à la déforestation au niveau mondial et que ceci constitue une empreinte déforestation équivalente à la surface du Portugal pour la période de 1990 à 2008. Je fais référence à la même publication que Romain avait tout à l'heure qui est assez récente et qui analyse les émissions qui sont incorporées dans les produits liés à la déforestation. Et donc on voit, voilà, je fais écho à ce que Romain présentait tout à l'heure, qu'en fait beaucoup de cette déforestation et des émissions qui en découlent se retrouvent dans des produits qui sont consommés dans les régions de production même, donc en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Et que c'est environ un tiers de ces émissions, de cette déforestation qui part sur le commerce, sur les marchés mondiaux, qui est commercé au niveau international. Et là, quand on regarde ça de cette perspective, on voit que l'Europe a quand même un rôle important et qu'on a même une empreinte déforestation, une empreinte d'émissions déforestation plus importante que la Chine. Donc on a un levier d'action quand même... un certain levier d'action sur cette problématique de la déforestation. Donc je parlais de cet écart qu'il y a entre les engagements politiques et du secteur privé qui ont été pris et la situation actuelle qui reste problématique. Donc je vais axer ma présentation autour de mesures politiques, de leviers d'action qu'on a ici en Europe
pour apporter des solutions par rapport à cette situation. Je vais illustrer ces trois mesures qui sont plutôt complémentaires, hein, qu'on ne voit pas, voilà, il faut tout miser sur l'une plutôt que sur l'autre, mais elles sont complémentaires. Donc d'un côté, assainir nos chaînes d'approvisionnement pour faire en sorte que les produits qu'on importe ne sont pas liés à la déforestation, ne sont pas liés à des violations de droits humains, par exemple. Hein, on peut lier les risques écologiques et sociaux. D'autre part, alléger notre empreinte sur la déforestation, alléger notre empreinte écologique, car ici en Europe, en tant qu'Européens, on a vraiment une très lourde empreinte écologique. Et d'autre part, voilà, pas seulement mettre en place ici des critères sur nos importations, des critères de durabilité ici en Europe, mais aussi le rôle de l'Europe pour soutenir les pays producteurs à aller vers des meilleures pratiques et de meilleures gouvernances forestières. Donc je vais illustrer ces trois exemples par des politiques telles qu'elles sont actuellement, parfois où l'Europe a déjà fait certains pas dans la bonne direction, mais parfois on est complètement dans une situation qui va en contre des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Alors je vais commencer par rapport aux chaînes d'approvisionnement et le bois illégal, où l'Union européenne s'est dotée d'une réglementation sur le bois illégal. Donc le bois illégal, c'est l'abattage d'arbres dans des zones protégées ou au-dessus des limites permises selon le code forestier, des espèces protégées, des arbres qui sont trop petits. Donc en général, voilà, ça va dégrader les forêts, ça va compromettre la régénération des forêts, la gestion forestière durable. Ce n'est pas un problème de niche, car 15 à 30% de la production mondiale de bois serait d'origine illégale. Et pour les pays où ça se produit, c'est aussi un gros problème, car c'est souvent perpétré par des groupes organisés, une criminalité organisée, étroitement liée à la corruption, au blanchiment d'argent et à la fraude fiscale. Donc face à ce fléau, l'Union européenne a introduit une réglementation, le règlement bois de l'Union européenne, qui est entré en vigueur en mars 2013. Et donc ce règlement repose sur la légalité. La légalité qu'on définit selon le cadre de l'égalité du bois dans le pays d'origine du bois. Donc l'Union européenne dit voilà, nous on veut respecter, on veut importer du bois, seulement du bois qui est légal selon les critères du pays d'origine. Les importateurs de bois ici en Europe, ceux qui vont placer du bois sur le marché européen, sont d'une part obligés de faire une diligence raisonnable sur leur chaîne d'approvisionnement. Alors la diligence raisonnable, c'est un concept d'analyse de risque où en fait un importateur doit s'assurer qu'il comprend bien sa chaîne d'approvisionnement, qu'il est conscient de selon quelles conditions le bois, le produit dérivé du bois qu'il va importer, selon quelles conditions il a été produit, s'assurer que son fournisseur opère dans la légalité. Il doit connaître le cadre légal du pays où il va se fournir, mais il doit aussi consulter des rapports d'ONG, être au courant de certains fournisseurs sont liés à des cas d'illégalité. Donc il doit vraiment faire une analyse de risque sur le produit qu'il veut placer sur le marché européen. S'il se rend compte qu'il estime que le risque n'est pas négligeable, donc il voit il y a certaines alertes qui disent voilà, il y a des risques d'illégalité, il faut qu'il creuse plus loin, il faut qu'il prenne des mesures d'atténuation de risque. Alors là, par exemple, on va prévoir d'aller se déplacer soi-même sur le terrain, aller faire un audit indépendant chez son fournisseur ou passer par des produits certifiés. Après, il y a une interdiction de placer du bois illégal sur le marché européen. Donc si le bois ne peut pas être considéré comme légal ou
fait risque négligeable d'illégalité, c'est interdit de l'importer. Les autorités des États membres, donc ici c'est le service fédéral de l'environnement qui ont une cellule d'inspecteurs, ces autorités doivent aller faire des contrôles réguliers auprès des importateurs pour s'assurer qu'ils ont bien un système de diligence raisonnable et qu'ils n'ont pas placé de bois illégal sur le marché européen. S'ils détectent des cas de non-respect ou de violation à cette obligation, à cette interdiction, alors ils peuvent, ça peut devenir un cas judiciaire et l'importateur peut se voir impartir des sanctions monétaires et même des sanctions d'emprisonnement. Donc c'est un cadre législatif qui à la base est assez strict, qui prévoit des sanctions dissuasives par rapport à l'importation de bois illégal. Malheureusement, en pratique, ça fait 6 ans que ce règlement est en place. Nous, en tant que BBF, on travaille beaucoup dessus au niveau dans les différents pays européens. Et malheureusement, on constate que l'application jusqu'à présent est très hétérogène dans les différents pays. Donc il y a certains pays qui ont vraiment fourni des efforts, où il y a des contrôles réguliers, d'autres pays où les capacités sont très très faibles. Donc ça n'assure pas vraiment un pied d'égalité entre tous les différents pays européens. En pratique, on voit aussi que très peu de sanctions ont été imparties. Cela vient en fait du fait que pendant les premières années, les inspecteurs étaient plutôt coulants avec les entreprises qui disaient « Ouais, mais bah, c'est compliqué ce principe de diligence raisonnable, on ne comprend pas trop. » Et donc, ils ont plutôt donné des avertissements plutôt que de tout de suite revertir à vraiment un cas judiciaire. Alors, ça fait déjà quelques années qu'on dit « Bon, voilà, on commence quand même à sortir de la phase d'apprentissage. Il faut vraiment donner des dents à ce règlement parce que sinon, voilà, c'est pas une loi qui dissuasive par rapport à l'importation de bois illégal. » Et régulièrement, on a des cas qui remettent en question la qualité de la diligence raisonnable des entreprises et des contrôles. Alors, notamment ici à Anvers, un cas tout récent, où en fait il y avait une organisation d'investigation environnementale, EIA, une organisation anglaise qui a fait une investigation vraiment de pointe, undercover, sur une entreprise chinoise, WCTS, qui opère dans l'exploitation forestière au Gabon. Et donc ils ont récolté plein de preuves, des vidéos, des documents qui montrent clairement que cette entreprise chinoise opère dans la plus grave illégalité. Ils surexploitent la forêt, ils sont impliqués dans la corruption, l'évasion fiscale, ils se moquent complètement de la régénération, de la gestion durable de la forêt. Donc c'est vraiment les pires pratiques. Et ce cas est connu, mais voilà, EIA a publié officiellement ces résultats-là en mai. Mais d'après nos informations, les autorités étaient quand même déjà averties par EIA bien avant. Et en juillet, début juillet, c'est les collègues de Greenpeace Belgique qui font des contrôles de routine au port d'Anvers et qui retrouvent un lot de bois bien étiqueté WCTS en plein jour, en plein milieu du port d'Anvers. Un lot de bois qui a priori était déjà stocké là depuis quelques mois. Et donc où très clairement on a d'une part au moins une entreprise belge qui n'a pas bien fait sa diligence raisonnable, car les magouilles de WCTS étaient déjà connues au Gabon, mais ils ont quand même décidé d'importer ce bois. Et d'autre part, des autorités qui ont reçu des informations d'ONG par rapport aux problèmes liés à cette entreprise et qui n'ont pas su ou qui n'ont pas fait l'effort de regarder si du tel bois était présent sur le marché belge ou stocké au port d'Anvers. Et donc là, suite à à l'alerte donnée par Greenpeace, les investigations sont en cours. Mais c'est toujours suite aux désavertissements d'ONG que de tels cas se mettent en route. Voilà, donc ça c'était pour le premier cas où en fait on pense qu'on a une bonne législation mais en pratique encore des efforts à faire. Après je vais parler de l'aspect de l'empreinte, du besoin d'alléger notre empreinte. Je vais parler du soja.
Alors le soja, c'est une légumineuse très riche en protéines. Sa production a triplé depuis 1990, surtout aux dépens de forêts tropicales et de savanes sèches, forêts tropicales sèches au Brésil et en Argentine. Aujourd'hui, c'est 100 millions d'hectares de terres agricoles qui sont monopolisées par le soja, ce qui correspond à une surface agricole correspondant à la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas réunis, et ça surtout localisé en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord. Le soja, ça représente la moitié, ou plus de la moitié, de l'empreinte déforestation de l'Union européenne. Alors ça, c'est encore une fois basé sur les données de l'étude de la Commission européenne, et ça montre la proportion des produits agricoles par rapport à l'empreinte déforestation des pays de l'Union européenne. Et tout ce qui est en rose, plus, alors le graphique est un peu bizarre, mais tout ce qui est en rose ici, plus cette barre ici en orange, c'est pour le soja, que pour le soja, alors que pour l'huile de palme, c'est l'huile de palme, voilà. Donc on voit qu'en termes d'impact déforestation, le soja est bien plus sérieux, bien plus grand que l'huile de palme. Alors ce soja, où est-ce qu'il se retrouve? Est-ce que ce sont les végétariens qui causent la déforestation? Non. Seulement 3% du soja qu'on importe en Belgique va directement à la consommation humaine, et c'est 95% qui va vers l'alimentation animale. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un légumineuse qui est très riche en protéines et qui est utilisée notamment dans les élevages intensifs, surtout de porcs et de poulets. Donc des élevages typiquement où clairement on appelle ça des élevages non liés au sol. Donc dans une exploitation, on va avoir recours à beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur et pas forcément de la ferme. Pour les consommateurs, c'est un problème qui est caché, qui est peu connu, du fait que il est tout parfaitement possible de manger une cuisse de poulet belge sans savoir que en fait se cache derrière du soja potentiellement lié à la déforestation qui vient du Brésil. Alors donc c'est clairement la surconsommation de viande en Europe qui alimente la demande de soja. Deuxièmement, il y a encore un facteur qui aggrave la situation, qui est que les subsides agricoles européens actuellement encouragent les grandes exploitations, plutôt les exploitations qui produisent beaucoup, l'agriculture intensive. Donc c'est ces exploitations-là qui reçoivent beaucoup des subsides de l'Europe, sous la politique agricole commune. Donc là, on a encore une fois un impact négatif où il y a on encourage finalement des pratiques qui ont non seulement un impact négatif par rapport au soja qui est importé, donc des impacts négatifs au Brésil et en Argentine, mais aussi des exploitations agricoles qui ont des impacts néfastes sur la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau ici chez nous. Finalement, je reviens au bois pour illustrer l'axe d'intervention qui est le rôle de l'Europe de coopérer avec, de soutenir les pays producteurs. Et là, je reviens au bois. La première étape est de mettre en place un système de vérification du bois. Donc, les pays vont mettre en place des systèmes pour vérifier l'origine du bois et vérifier que le bois qu'ils vont exporter est légal. Et lorsque ces systèmes sont approuvés par l'Union européenne, ils ont accès à des licences. Et donc, ces pays peuvent exporter leur bois avec licence FLECT, et ça leur permet de passer autour du règlement bois. Donc ce bois a un accès privilégié au marché européen. Après, en pratique, ce programme a été lancé déjà en 2005, et à l'heure actuelle, il y a seulement un pays qui a accès à ces licences, qui est l'Indonésie. Mais bon, il y a plusieurs pays qui sont en cours d'y avoir accès. Ce sont des différents stades de négociation qui peuvent prendre très longtemps parce que on va vraiment essayer de changer
Vraiment très à la base, la gouvernance, la façon dont les lois sont établies, la part de faire ça de manière participative. Donc voilà, c'est un effort de longue haleine. Et dans certains pays où les capacités du gouvernement sont très faibles, où finalement la gouvernance est trop faible, c'est un processus qui s'est avéré impossible. C'est par exemple le cas en République démocratique du Congo. Néanmoins, il faut vraiment tirer d'un point de vue de la participation de la société civile, des peuples indigènes, des communautés autochtones, de la transparence de comment les décisions sont prises, comment les lois sont établies, du respect des droits des communautés autochtones et du partage des bénéfices de l'exploitation forestière, on note vraiment des résultats positifs de ce programme. Alors je reviens à mes trois axes d'intervention pour l'Europe. Et donc je vais tirer des leçons des exemples que j'ai présentés maintenant pour formuler les recommandations, les demandes que nous portons en tant qu'ONG. Seulement 2 minutes. Ouais. Alors, du côté du fait du besoin d'alléger notre empreinte, on a parlé du problème des régimes alimentaires européens qui sont très lourds en viande. Donc là, il faut mettre en place une transition des régimes alimentaires pour passer plus vers des protéines végétales. Et on pense que cette transition doit être aussi accompagnée de mesures politiques. C'est pas seulement attendre ou espérer que le consommateur va changer, mais donner les bons incitatives aux consommateurs. On a parlé du besoin de réformer les subsides de l'agriculture. Et finalement, ça m'amène au fait que, voilà, pour réduire notre empreinte, il va falloir analyser de manière transversale les politiques et les subsides qui sont en place actuellement, notamment non seulement de l'agriculture, mais aussi de l'énergie, du commerce, pour vraiment évaluer si ces politiques donnent des mauvaises incitatives à alourdir notre empreinte. Deuxièmement, pour soutenir les pays producteurs, nous pensons que c'est vraiment intéressant de continuer à construire sur ce programme FLECTI, qui a montré ses preuves, qui est un effort de fond, un effort de longue haleine, mais sur lequel on peut désormais construire. Pour le secteur agraire, on va aller au-delà de la gestion forestière pour vraiment parler plutôt de la planification et de l'utilisation du territoire. C'est crucial d'intégrer les petits producteurs et aussi de mettre en place des outils de monitoring, de transparence, comme ceux que Romain a présentés tout à l'heure. Donc on voit vraiment un rôle de l'Union européenne à soutenir les pays producteurs pour mettre en place ces systèmes. Et je conclue avec ce qui est vraiment notre demande clé, la clé de voûte de notre plaidoyer, qui est le besoin, ici en Europe, de montrer le bon exemple et de faire en sorte que les produits qu'on importe soient exempts de déforestation et de violation des droits humains. Donc nous demandons l'introduction d'une nouvelle législation de diligence raisonnable sur les chaînes d'approvisionnement de produits potentiellement liés à la déforestation. Il y a certainement des leçons qui doivent être tirées de la mise en œuvre du EUTR, donc pourquoi le règlement bois, pour l'instant, n'a pas encore réussi à vraiment montrer ses dents. Et aussi s'attaquer au challenge que, pour la déforestation, selon nous, il faudrait aller au-delà d'un cadre de légalité parce que beaucoup de déforestation reste légale. Donc plutôt aller vers un commerce durable vers l'Europe. Alors c'est pas une mince affaire, on est conscient que ça va vraiment demander une réforme profonde de comment on s'approvisionne ici en Europe. Quand on voit dans un simple cookie, cookie au chocolat, tous les différents produits qui peuvent se retrouver dedans. Mais c'est vraiment nécessaire. Selon nous, c'est vraiment nécessaire pour réformer le marché et puis finalement pour que nous, en tant que consommateurs, on puisse, avec une conscience sereine, déguster les cookies. Voilà, merci.